Je me soumets à ta volonté. Oh Seigneur, je me soumets à ta volonté. Ah. Il n'y a que la volonté de Dieu qui prime. Il n'y a que la volonté de Dieu qui est au-dessus de celle de l'homme. Quel qu'en soit ce que l'homme veut, quel qu'en soit ce que l'homme aime, c'est Dieu qui décide. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours dans la vie des hommes. Alors, bien-aimés en Christ, vous qui connaissez déjà la parole, vous qui savez qui est Dieu, quel est le nom de ce Dieu? Quel est le nom du Père éternel que tellement de religions recherchent? Ils ont des dieux, mais ils ne connaissent pas le nom de leur Père. Ils ne connaissent pas le nom du Père éternel de leur religion. Mais nous, chrétiens véritables, nous connaissons le nom du Père, le nom de notre Père, le nom du Père de notre religion qui est Christ. Notre religion, c'est l'idéologie de Christ. La volonté de Dieu s'accomplit toujours dans la vie d'un homme. Un homme qui croit en Jésus, il sait que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours, pas la sienne. Alors, bien-aimés, shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, je vous apporte une révélation pour vous permettre d'être éclairés dans l'islam. Alors, mes frères musulmans, ceux qui sont là-bas, qui sont captifs, qui ne sont pas des musulmans de nature, mais qui ont été attirés, qui ont été amenés par l'ignorance, par le manque de connaissance de ces choses. Alors moi, je suis là pour vous apporter la connaissance, pour que vous sachiez là où vous êtes. Et en même temps aussi, vous décidez de continuer ou pas. Mais ayant compris la vérité, ayant reçu la révélation de ces choses, vous serez maintenant capable vous-même de vous engager vers le paradis ou bien vers l'enfer. Cela dépendra seulement de vous, rien que de vous. Moi, je parle. Je suis le Coran audible pour des personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Je suis le Coran pour des personnes qui sont analphabètes et illettrées. Je suis le Coran pour des personnes qui ont grandi sans faire des études, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Alors, on leur a dit des choses, mais moi, je suis le Coran audible. Sourate 5, verset 47. Allah m'a donné la procuration. Je suis le juste juge de l'islam. Je suis là pour vous apporter la vérité. Dans le Coran, dans votre Saint Coran à vous, je vous apporte la révélation pour que vous sachiez réellement ce que c'est que ce livre et qui est l'instigateur de ce livre, qui est votre prophète et qui est l'islam. Alors, à travers moi, vous saurez réellement ce que c'est que l'islam, qui est Mohammed, qui est Allah. Vous allez maintenant décider vous-même de rester ou pas. Cela dépendra rien que de vous, pas de moi. C'est Dieu qui convainc. Moi, je suis son instrument. Il m'utilise juste pour parler de sa part. Je ne parle pas de moi-même. Aucune idée de ma tête, aucune philosophie, mais la parole de Dieu authentique, véritable. Celle des saints apôtres, je vous ramène à la vérité. Je ramène la vérité, je rétablis toutes choses comme au commencement. La vérité de Dieu, pas l'église catholique, pas les assemblées de Dieu, pas les chapelles des vainqueurs, pas les christianismes célestes, pas les fausses croyants, pas ceux qui se disent branamistes, pas ceux qui ont des dénominations à gauche à droite. Je vous ramène à la doctrine de Christ. Christ a dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église de Dieu est bâtie sur un homme, sur nous. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus. Alors, les églises qui naissent un peu partout là, qui ne prêchent pas la doctrine de Christ, ceux-là ne sont pas avec Christ. Christ ne les connaît pas. Il les dira au dernier jour. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors, ces propos sont adressés à ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont aucune base chrétienne. Qui pensent qu'ils sont chrétiens sur la forme, alors que dans le fond, ils ne le sont pas. Alors, je suis là pour édifier, même ceux qui se disent chrétiens qui n'ont pas la révélation, je suis là pour édifier toutes les religions pour qu'ils reviennent à Christ. Parce que le but de Christ est de ramener toutes les brebis égarées à la bergerie. C'est ça mon travail. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de la sourate 3, verset 55. Aujourd'hui, nous parlerons de la sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55. Nous avons vu précédemment que Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Dans la sourate 33, verset 56. Allah et ses anges prient sur le prophète et ils vous exhortent, vous aussi, à prier sur un homme.
Alors, Allah ne vous demande pas de prier sur lui, Allah, mais il vous demande de prier sur le prophète, sur un mortel, sur quelqu'un qui est mort, qui n'est pas ressuscité, quelqu'un qui a été empoisonné, il n'a pas pu se défaire du poison, quelqu'un que la mort a retenu captif, qui est mort depuis 1400 ans, il n'est pas ressuscité, la mort l'a retenu. Mais Allah vous demande de prier pour lui et de l'adresser vos salutations. Sur quelle base? Nous avons aussi vu hier la sourate 70, verset 40. Dans celle-ci, nous voyons clairement que Allah jure par le Seigneur du levant et du couchant. Et nous avons vu dans Ésaïe 45, verset 5, que Dieu lui-même, il dit qu'il est le Seigneur du levant et du couchant et de toutes choses. En lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est le Seigneur. C'est-à-dire qu'il dit bien du levant et du couchant. C'est afin que vous sachiez que du soleil levant au soleil couchant, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Ésaïe 45, 5 est clair là-dessus pour nous faire comprendre que réellement, Allah prie Dieu, le Dieu que nous nous prions. Alors, sur cette base, aujourd'hui, nous allons voir la sourate 3, verset 55, qui est carrément le coup fatal de Allah aux musulmans. Le coup fatal de Allah, le coup fatal d'Allah aux musulmans, aux abdouls, aux soumis, sans foi, qui sont dans l'islam, sans connaître les versets coraniques. C'est le coup fatal d'Allah. Allah les a piégés. Dans la sourate 3, verset 55. Celui qui n'a pas compris ça aujourd'hui, je ne pourrais rien faire de plus pour vous. Cette sourate est la mort de l'islam. C'est comme frapper une bombe dans un nid de scorpions. Sourate 3, verset 55. De supporter un double bras de ta part calmera toutes mes entrailles. Et si les épées dans toi et oubliaient ton envolé, tu es l'aigle Jéhovah, transporte-moi sur tes ailes. Dieu est l'aigle Jéhovah. Il est le feu dévorant. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le fils incarné Jésus-Christ. Dieu se fait toutes choses. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Il écoute toutes les langues. Il parle toutes les langues. Il se révèle à toutes les nations. Il n'a pas besoin que vous passiez par une école pastorale pour qu'il vous révèle quelque chose. Il n'a pas besoin que vous soyez formé dans l'école des prophètes pour qu'il vous révèle quelque chose. Dieu lui-même, il envoie ses prophètes. Il a dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Dieu envoie des prophètes. Jésus aussi envoie des prophètes pour que sa parole perdure, pour que les hommes sachent que Dieu est réel et il est vivant au siècle de siècle. Sa parole demeure pour l'éternité. Ceux qui sont voués à aller au paradis, ils écouteront la voix du maître. Ils reviendront à la bergerie. Mais ceux qui sont voués à la perdition, ils écouteront mais ils n'entendront pas. Ce n'est pas de ma faute. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose. Parce que tu l'avais béni, il avait confiance enfin. Et d'Apocalypse arriva le tsunami qui détruisit. Ça veut dire que le tsunami est venu. Ça veut dire que la malédiction s'est abattue sur Job et a détruit tout ce qu'il avait de précieux, ses enfants, ses richesses. Mais Job ne s'est pas affolé. Job a gardé sa foi intacte. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. C'est comme ça qu'un vrai chrétien doit se comporter. Quels qu'en soient les malheurs qui arrivent dans ta vie, si tu es véritablement enfant de Dieu, si tu es un véritable chrétien qui connaît toutes ces choses que je vous explique aujourd'hui, vous savez quand le malheur arrive que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai, ça vous fait mal, mais après, vous passez rapidement à autre chose parce que vous savez que c'est votre maître qui a voulu que ces choses arrivent. Alors, vous êtes un enfant béni, vous êtes éternel. Vous savez que malgré les choses de la terre, vous pouvez tomber, vous pouvez chuter, car vous savez qu'il est normal qu'un juste tombe, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur arrive toujours au juste, mais l'Éternel va l'en délivrer. Allez-y lire Romains, vous allez comprendre. L'Éternel veille sur ses enfants, mais le malheur les arrive pour les affermir davantage, pour qu'ils sachent que même étant juste, vous pouvez être dans le tourment, vous pouvez être dans la difficulté, mais croyez toujours en votre Seigneur Jésus-Christ et persévérez dans la foi. Il vous délivrera sûrement, car il ne laisse jamais ses enfants, il ne les abandonne jamais. Accroché à la promesse, durant plusieurs années, il dit à Abraham et Isaac naquit. Ah. La parole de Dieu est tellement douce, quoi. Tu
tu voulais tester sa foi, voir son amour pour toi. En fait, Dieu teste la foi de ses enfants. Il veut voir vraiment si ses enfants l'aiment. C'est pour ça que nous sommes toujours dans des difficultés, même étant chrétien. Mais un chrétien véritable, il est une lumière pour ceux qui sont égarés. Il est une lumière pour ceux qui sont ténébreux, ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi j'exhorte les gens à écouter mes vidéos, à les regarder jusqu'à la fin. Si vous regardez mes vidéos jusqu'à la fin, vous allez comprendre, vous serez révélés. Vous deviendrez vous-même une lumière. Et vous ne serez plus trompé par des rusés, par des pasteurs bonbons bandits qui prennent votre argent, des pasteurs boutiquiers, des commerçants, des pasteurs businessmen. Ces gars qui sont venus pour s'enrichir, ils ont décidé par eux-mêmes pour voir celui qui sera le plus riche à la fin de leur ministère. Ces gars sont là pour vous piller. Ils ne sont pas là pour vos âmes. Il est comme Mohamed qui a dit que lui n'est même pas responsable de la sauvegarde de l'âme d'un musulman. Mohamed s'est désengagé. Il dit, il vous est parvenu. Je vais vous donner le verset. Surat 6, verset 105. Surat 6, verset 104. Surat 6, verset 104. Surat 6, verset 104. Il dit bien ceci. Il vous est parvenu, certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc Allah, Dieu, vous a déjà tout montré. Il vous a montré des preuves que lui est réel. Maintenant, quiconque voit clair, c'est à son avantage. Ça ne me regarde pas. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de sa sauvegarde. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Il s'est désengagé. Mohamed s'est désengagé. Il dit quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque aussi reste aveugle, ça veut dire que les musulmans sont d'abord aveugles. Mais si vous restez aveugle, c'est à son détriment, c'est à votre détriment. Lui-même, Mohamed, étant votre prophète, il n'est nullement chargé de votre sauvegarde. Il n'est nullement chargé de vous sauver et de vous garder. Qu'est-ce que Mohamed est donc venu faire 600 ans après le Christ? Qu'est-ce que Mohamed est venu faire 600 ans après le Christ? Pour dire dans la Sourate 6, verset 104, que quiconque voit clair, c'est à son avantage. Et quiconque reste aveugle, ça veut dire que vous êtes déjà aveugle. Mais si vous persistez à rester aveugle, ça ne vous engage, hein? C'est vous-même là-bas. Il n'est nullement chargé de vous sauver ou de vous garder. Hein? Il est alors venu faire quoi? Vous le suivez pourquoi? Allez-y vérifier, hein? Sourate 6, verset 104. Il n'est pas là pour vous. Mohamed, ce n'était pas un homme de Dieu. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle l'évangile. Mohamed vous a trompé. Réveillez-vous. Faites des recherches. Ne faites pas comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Allez-y vérifier. Et Mohamed, quand il vous dit ça, après les musulmans l'ont posé la question, oh, comment tu peux dire que tu n'es nullement chargé de notre sauvegarde? Comment tu peux dire que toi tu n'es pas chargé de notre sauvegarde? Tu es notre prophète? Tu es venu pour nous tirer des ténèbres à la lumière, non? Mohamed a dit, hey, arrêtez ça. Sourate 5, verset 101. Mohamed a dit quoi? Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur les choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Ça veut dire que Mohamed, maintenant, il était face à un dilemme. Les musulmans lui demandaient, oh, tu es le prophète? Tu es venu pour nous sauver? Comment tu peux dire que tu n'es nullement chargé de notre sauvegarde? Comment tu peux dire que si on voit clair, c'est nous-mêmes là-bas? Et si on reste aveugle, tu t'en fous? Pourquoi tu dis ça? Mohamed leur répond alors, oh, Allah a dit, ne me posez pas de questions. Sourate 5, verset 101. Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient révélées, vous mécontenterez. Donc, restez comme ça dans l'ignorance. C'est tout. Et ne me posez pas de questions. C'est comme ça que Mohamed répond aux croyants de Allah. Et vous êtes dans cette religion. Vous pensez quoi? Mohamed n'est pas venu pour vous sauver. Il n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Je vais m'attarder là-dessus pour vous dire en même temps qu'aucun catholique n'est chrétien. Même le pape lui-même, il n'est pas chrétien. Le pape se permet de sanctifier les jours, de sanctifier les hommes. Lui-même étant impur, lui-même qui ne respecte pas la parole de Dieu, lui-même pour... Ça veut dire que qui est un homme de la perdition, qui a retranché et qui a enlevé, qui a ajouté à la parole de Dieu, il est un maudit, c'est un abominable. Le pape, c'est un abominable. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes gouverné par le pape. C'est le pape qui est le patron de toutes les églises catholiques qui existent dans le monde. Maintenant, si le patron lui-même est un abominable, si le patron même de votre assemblée, de votre croyance est un abominable, vous les fidèles qui allez là-bas, vous êtes quoi? Qui êtes-vous si un aveugle conduit un aveugle? Tous deux tomberont dans le trou.
Il n'y a pas que le pape qui va tomber. Si le pape tombe, les prêtres tombent, les cardinaux tombent, les évêques tombent. Et vous, les fidèles, vous tombez avec eux. Parce qu'ils vous nourrissent d'une nourriture infâme. Ils vous nourrissent d'une nourriture impure. Ils vous donnent ce qui n'est pas bon pour le corps et pour l'âme. Ils nourrissent mal votre âme. Ils vous empoisonnent parce que ce qu'ils vous donnent n'est pas la parole authentique de Dieu. Alors ils sont en train de vous tuer à petit feu. Sortez de l'église catholique, Dieu n'est pas là-bas. Bon, aujourd'hui, je parlerai encore de quelque chose. Muhammad a reçu ça veut dire que Muhammad a reçu l'ordre d'Allah. C'est Allah qui dit à Muhammad. Allah dit à Muhammad que prends l'argent des gens, des croyants et des mécréants, pour les purifier et les sanctifier pour qu'ils aillent dans les jardins où coulent des ruisseaux. En fait, Muhammad, il a reçu le mandat par Allah pour percevoir de l'argent aux croyants, pour les purifier et les sanctifier pour qu'ils aillent dans les jardins où coulent des ruisseaux. Parce que le mot paradis n'existe pas dans le Coran original. Dans le Coran original, le mot paradis n'existe pas. C'est des jardins où coulent des ruisseaux. Voilà, c'est ça la vérité. Il faudrait que vous le sachiez. Vous musulmans qui allez suivre cette vidéo, sachez bien que le mot paradis n'existe pas dans le Coran. Et le mot salut n'existe pas dans le Coran. Ce qui existe dans le Coran, c'est le mot entrer dans les jardins qui coulent des ruisseaux. Entrer dans les jardins qui coulent des ruisseaux. C'est ça qui existe dans le Coran. Maintenant, Allah, dans le verset 103 d'une sourate que je ne vous donne pas le nom. Dans le verset 103, Muhammad a reçu l'ordre d'Allah de prendre de l'argent aux Arabes et aux autres pour les sanctifier et les purifier, pour qu'ils aillent dans les jardins où coulent des ruisseaux. Muhammad était un prophète qui percevait l'argent pour purifier les gens. Tu viens, tu le payes, il te purifie, te sanctifie. Allez, tu vas au jardin où coulent les ruisseaux. C'est-à-dire que Muhammad a reçu l'ordre par Allah de percevoir de l'argent. Un Dieu qui envoie un prophète pour venir prendre de l'argent aux gens, aux mortels, pour pouvoir les sauver, pour les amener au paradis. C'est pour ça que Allah lui-même aussi, il a acheté des musulmans pour qu'ils meurent et fassent mourir des autres innocents en échange du paradis. C'est-à-dire que Allah, il est incapable de dire le fayakoun, fayakoun. Il est incapable de dire que ceci soit. Allah est incapable de décider et c'est là la chose se produit. Allah est incapable de donner un ordre à la nature et cela exécute. Mais Allah est obligé de payer, de soudoyer. Allah vient corrompre les musulmans. Il leur donne de l'argent en cachette, dessous des tables. Prenez l'argent, s'il vous plaît. Hein? Mettez des bombes. Allez-y, les djihadistes. Allez-y dans les supermarchés, tout ça, où il y a de la population. Allez exploser là-bas. Vous mourrez en même temps et vous tuez aussi des gens. Je vous promets le paradis. Allah vient négocier avec des hommes qu'il a créés. Allah crée des hommes, mais il négocie avec eux. Il les achète. Allah a acheté des musulmans pour qu'ils meurent et qu'ils fassent mourir en échange du paradis. Ce sont des djihadistes, des poseurs de bombes que vous voyez là. Allah les a achetés. Allah, il négocie avec des hommes. Un Dieu qui négocie avec sa créature parce qu'il est impuissant. Il est incapable. C'est le Dieu de l'islam. Vous êtes même dans quoi comme ça? Maintenant, prenons la sourate 8, verset 12. Sourate 8, verset 12. Votre Seigneur a inspiré aux anges. C'est votre Seigneur, hein? Il a inspiré aux anges. Je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Ça veut dire que mettez en confiance ceux qui ont cru. Maintenant, en ce qui concerne les mécréants, là, coupez-leur le cou. Ça veut dire que tapez-leur l'épée au-dessus du cou. Et quand il meurt, coupez-les les bouts des doigts. Ça, c'est l'ordre que Allah donne à Muhammad. Il dit, vas-y, les anges même vont vous accompagner. Mettez en confiance ceux qui ont cru. Chapitre 8, verset 12. Mettez en confiance ceux qui ont cru. Maintenant, les mécréants là, tapez-les l'épée au-dessus du cou. Donc, coupez-les la tête. Et quand il meurt là, coupez-les les bouts des doigts. Maintenant, qu'est-ce que les musulmans qui vont tuer les mécréants là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les bouts des doigts de ceux-là? Tu as déjà tapé l'épée sur le cou de quelqu'un, il est tombé, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui va te donner? Quel est l'avantage que tu as à couper encore ces doigts? Ces doigts vont te faire quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que vous savez que dans l'islam, il y a un monsieur, un arabe, qui avait tué sa femme
Il a même découpé en morceaux, il a préparé, il a mangé. Est-ce que vous savez que dans l'islam, il y a un musulman qui était connu au temps de Mohammed, qui avait tué sa femme parce qu'elle était désobéissante. Il l'a tué, il l'a découpé, il a préparé. Il a mis en morceaux, il a préparé, il a mangé. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam permet aux musulmans de taper sur leurs femmes et de les manger aussi. L'islam permet aux musulmans de taper sur leurs femmes et de les manger aussi si possible. Donc si un musulman tape sa femme, il la tue, il peut la préparer, il la mange. Ça ne va aller nulle part parce que l'islam permet ça. Celui qui va nier, il vient, je lui montre le verset coranique. Quel coranique? Je vais dans les hadiths, vos hadiths authentiques, reconnus, certifiés. Dans la sunnah, je partirai partout où il veut. Je vais vous apporter les révélations. Vous allez comprendre que les Arabes ne font rien pour rien. Ils ont reçu ça de leur prophète, du temps de leur prophète. Un Arabe est capable de taper sa femme. L'islam permet de taper, de maltraiter la femme. L'islam permet aux musulmans de taper et de maltraiter leurs femmes. Ce sont les esclaves sexuels, des objets de plaisir. Elles n'ont aucune valeur. La femme dans l'islam est comme le caca, comme l'excrément. Une femme est comme l'excrément. Voilà pourquoi dans l'islam, si un homme touche une femme, il est obligé de se laver les mains au même titre que quand il était aux toilettes. La femme n'a aucune valeur dans l'islam. La femme, c'est un objet sexuel, c'est un objet de plaisir, c'est un caca. Les musulmans ont le droit de taper sur les femmes. Et les extrémistes musulmans ont le droit de taper, de tuer, de préparer même. C'est-à-dire, il tape, il tue, il découpe un morceau, il prépare, il mange. Ça ne va nulle part. Ça, c'est l'islam, la religion de paix, la religion du prophète miséricorde. La religion du prophète miséricorde. C'est ça l'islam. Sourate 3, verset 55. Sourate 3, verset 55. C'est la fatale. C'est la bombe atomique dans le nid des scorpions. La sourate 3, verset 55, c'est la mort de l'islam à outrance. Rappelle-toi qui parle. Sourate 3, verset 55. Maintenant, qui parle là-dessus? Écoutez bien, tendez l'oreille. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi, quand Allah a dit, c'est rapporté par Muhammad, il dit, rappelez-vous, rappelle-toi, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, rappelle-toi, quand Allah a dit, oh Jésus, virgule, certes, virgule, je vais mettre fin à ta vie terrestre, virgule, t'enlever vers moi, virgule, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, virgule, et mettre jusqu'au jour de la résurrection, virgule, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, point. Puis, c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. En fait, je m'arrête un instant pour appeler à votre intelligence personnelle, à votre vous qui êtes doué d'intelligence. Je m'adresse à vous musulmans qui êtes doué d'intelligence, vous qui passez le temps à lire la Bible et à dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu là. Vous qui passez votre temps à dire Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Moi je vais vous dire je vais vous donner un conseil bien avisé. Prenez le Coran et expliquez ça aux musulmans qui sont illettrés et analphabètes. Prenez le Coran, expliquez ça à ceux qui sont illettrés et analphabètes. Prenez le Coran, expliquez ça à ceux qui sont illettrés et analphabètes. Laissez les saintes écritures de la Bible à côté. Vous êtes en train d'évangéliser, vous avez remplacé les vrais chrétiens véritables. Le fait que vous commencez à évangéliser, vous nous remplacez, vous faites notre boulot. Laissez la Bible, montrez et prouvez au monde que l'islam et son Coran contiennent la vérité. Lisez les versets coraniques aux musulmans, ils vont vous suivre. Laissez les saintes écritures. Mais comme vous ne voulez pas faire ce travail, alors Allah m'a mandaté, sourate 5, verset 47. Allah m'a mandaté, sourate 5, verset 47. Allah m'a donné le mandat de venir vous apporter les 5 Corans en audible. Je suis le Coran parlant. Pour ceux qui n'ont pas de yeux pour lire, je suis le Coran qui parle. Sourate 5, verset 47. J'ai reçu le mandat d'Allah. Il a dit ceux de l'évangile, ceux de l'évangile, l'évangile qu'il a fait descendre à Isa Jésus là,
que ceux-là jugent. Et que s'ils ne jugent pas, ils seront considérés comme des pervers. Mais Allah nous a dit aussi, jugez selon ce qui est descendu, l'évangile. Allah a précisé que c'est par rapport à l'évangile. Et c'est selon l'évangile qu'on doit vous juger. Moi, je vous juge par rapport à ça. La sourate 3, verset 55. Sourate 3, ayat 55. C'est la mort, c'est la bombe dans le nid des scorpions. Allah dit, rappelle-toi. Quand Allah dit, c'est Mohamed qui ramène les paroles, qui rapporte les paroles de Allah. Rappelle-toi quand Allah a dit, oh Jésus, virgule, certes, virgule, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Qu'est-ce que signifie mettre fin à ta vie terrestre? Nous savons que la vie terrestre là, nous avons le corps cher là, le corps. La vie terrestre, c'est parce que nous sommes charnels. Quand on dit on met fin à ta vie terrestre, ça veut dire qu'on va te tuer. Les musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort là. Quand Allah dit que je vais mettre fin à ta vie terrestre, il parle de quelle fin de vie? Jésus a été tué par Allah. Il met fin à la vie terrestre de Jésus, c'est le tuer. Quand on met fin à ta vie, c'est te tuer. Allah met fin à la vie terrestre de Jésus pour le tuer. Puis l'élever vers lui, c'est la résurrection. Allah a élevé Jésus vers lui, c'est la résurrection. Puisque Allah n'a élevé personne d'autre vers lui. Mohamed n'a pas été élevé vers Allah. Allah a élevé seulement Jésus. Jésus a été élevé vers le ciel. Si Jésus a été élevé vers le ciel, Mohamed n'a pas été élevé. Pourquoi? Pourquoi Allah n'a pas mis fin à la vie terrestre de Mohamed et l'a élevé aussi? Mohamed est mort empoisonné. C'est la différence. Mais Jésus est mort comme martyr. Il est mort pour les péchés du monde. Il est mort saint, sans péché. Voilà pourquoi Allah l'a élevé au ciel. Mohamed était rempli de péchés. Et je vais vous parler d'une sourate ici qui est un scandale. Là où Allah promet à Mohamed de lui pardonner même ses péchés futurs. Ça, c'est quel Dieu qui te dit que je te pardonne tes péchés présents et futurs aussi? Ça veut dire que Mohamed te permet de pécher à outrance. Et parce qu'il t'a déjà promis qu'il va te pardonner. C'est le scandale planétaire. Ça là, ce n'est pas Dieu. Je vous parlerai de ça demain. Un Dieu qui pardonne les péchés futurs alors que les péchés n'ont même pas encore eu lieu. Ça veut dire que Mohamed a le mandat de pécher et de faire l'abomination sans que quelque chose le gêne. Parce que Allah lui a promis. Ça c'est une fabrication. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut pas dire ça. Mais aujourd'hui, nous parlerons de la sourate 3, ayat 55. Allah dit, ça veut dire que les paroles d'Allah sont rapportées par Mohamed. Rappelle-toi, quand Allah a dit, donc ce sont les paroles d'Allah qui suivent. Oh Jésus, virgule, certes, virgule, je vais mettre fin à ta vie terrestre, virgule, t'élever vers moi, la résurrection, virgule, te débarrasser de ceux qui ont mécru, te débarrasser des musulmans, des abdouls, des gens qui ne veulent pas écouter là. Quand un musulman dit qu'il croit en Jésus, pose-lui la question, est-ce que tu as pris ton baptême? Celui qui croit en Jésus prend le baptême au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus prend son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le musulman dit qu'il croit en Jésus, mais il ne prend pas le baptême. Donc c'est un mécréant. Allah a dit qu'il va débarrasser Issa de tous ceux qui n'ont pas cru. Ça veut dire que de tous ceux qui n'ont pas suivi Jésus là, tous ceux qui n'ont pas suivi Jésus, ça veut dire que je veux te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru là. Ceux qui n'ont pas cru, c'est ceux qui ne prennent pas le baptême. Si tu crois en Jésus, tu dois prendre ton baptême. Si tu ne prends pas ton baptême, tu ne crois pas en Jésus. Alors Allah va débarrasser Jésus de toi. Toi qui me suis là. Alors, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que le moment où Jésus était sur la terre, jusqu'à ce que le jour dernier viendra, jusqu'à la fin du monde, Allah dit que tous ceux qui vont suivre Jésus là, il va les mettre au-dessus de tout ce qu'ils ont écrit. C'est écrit, hein? C'est pour ça que le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Hein? Le verbe est conjugué au présent de l'indicatif pour montrer à quel... Ça veut dire que pour montrer l'importance de suivre Jésus. Il dit mettre, il n'a pas dit que j'avais mis et c'est passé. Il dit mettre, ça veut dire que, il dit que et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ça veut dire que du moment où Jésus était sur terre et qu'il a commencé à prêcher, les gens qui ont cru en lui en ce temps-là, jusqu'à la fin du monde, Allah promet qu'il va mettre cela au-dessus de ceux qui n'ont pas cru. C'est ça l'explication qui est là, que vous devez comprendre. Alors, mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que vous allez monter maintenant pour que je vous juge. Mais Mohamed a dit à Allah que c'est faux. Mohamed a dit à Allah, dans cette dernière partie-là, que puis c'est vers moi que sera votre retour. Non, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous. Allah dit que c'est lui qui va juger. Mais Mohamed est venu, il a dit que c'est faux. Mohamed dit à son Dieu que c'est faux, ce n'est pas toi qui vas juger. Pourquoi? Allez-y, lire Saïd al-Boukhari, tome 2, page 3448.
allez-y lire Saïd al-Boukhari, tome 2, page 3448. Vous allez voir que Mohammed lui-même, il dit de sa bouche que c'est Issa Jésus, fils de Mariam, le Messie al-Massiya, qui viendra juger l'humanité avec justice. Et il ne s'arrête pas là. Il commence à dire que c'est entre les mains de Issa Jésus que mon âme va reposer. Donc lui-même il confirme, il dit que c'est entre les mains de Issa, fils de Mariam, le Messie là, que mon âme va reposer en paix. Et il va revenir pour juger toute l'humanité. Les musulmans qui disent que Jésus va venir seulement juger Israël là. Mais pourquoi Mohammed a dit que Jésus va venir juger toute l'humanité? L'humanité c'est Israël? Ou bien c'est tout le monde entier? Donc lui-même Mohammed, il conteste ce que Allah dit. Mohammed dit que ce n'est pas Allah qui va juger. Saïd al-Boukhari, tome 2, page 3448. Saïd al-Boukhari, tome 2, page 3448. Authentique al-Boukhari. Le livre authentique de Saïd de al-Boukhari. C'est-à-dire que le livre authentique de al-Boukhari. Là-bas, Mohammed dit que ce n'est pas Allah qui va juger. Lui, Mohammed, il dit que c'est Jésus qui va venir juger. Allah, c'est-à-dire qu'Allah a un adversaire de taille. L'adversaire de taille de Allah, c'est Mohammed lui-même, le prophète. Le prophète de l'islam est l'adversaire de taille de son Dieu. Son Dieu dit que c'est moi qui va juger. Mohammed dit non, c'est faux. C'est Jésus qui va venir juger. Et si Mohammed lui-même, il reconnaît que c'est Jésus qui va venir juger, qu'est-ce que vous faites dans l'islam? Vous ne croyez pas, hein? Saïd al-Boukhari, tome 2, page 3448. Saïd veut dire authentique. C'est-à-dire que le livre authentique de al-Boukhari, il est rapporté là-bas que Mohammed a dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus, Issa, fils de Mariam, le Messie, qui reviendra certainement pour juger l'humanité entière. Alors, qu'est-ce que vous faites dans l'islam? Qu'est-ce que vous faites dans l'islam? Répondez-moi. Qu'est-ce que vous faites dans l'islam? Je vais entendre. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous n'avez pas suivi le clash entre votre Dieu Allah et Mohammed? Allah dit que je vais venir juger. Mais Mohammed dit non, c'est pas toi qui viendras juger. C'est Jésus qui va venir juger. Et Allah dit que je vais placer toutes les personnes qui ont suivi Jésus de maintenant, du moment où Jésus est là jusqu'à ce que la terre va finir. Je vais les placer au-dessus de vous les musulmans. Alors, ça a énervé Mohammed. Cela a énervé Mohammed. Que son Dieu dise que ceux qui suivent Jésus là, depuis l'an 0 là, depuis l'an 33, ceux qui ont commencé à suivre Jésus depuis l'an 33 jusqu'à la fin du monde là, il va les placer au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ça a énervé Mohammed. Alors Mohammed a dit que ce n'est pas toi Allah qui viendra juger. C'est Issa, Jésus là lui-même qui va venir juger alors. Et il a dit que mon âme va déposer entre ses mains. Waouh. Les gars, j'ai un conseil pour vous. Hein. Je n'ai rien contre vous. Mais moi, je vais expliquer tous les versets coraniques ici. Tous les versets coraniques seront expliqués par moi. De façon à ce que ceux qui sont dans l'islam comprennent ce que c'est que l'islam et comprennent la vérité de l'islam. Ceux qui vont rester là-bas restent parce qu'ils veulent rester, parce qu'ils sont nés pour aller en enfer. Mais les enfants de Dieu qui sont là-bas vont sortir. Ils sortiront. Parce que quand la vérité là, il n'y a pas de frein pour attraper ça. Vous-même, vous avez vu clairement que c'est dans votre propre livre que je prends pour expliquer. De façon claire, vous-même allez vérifier. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous. Même si vous êtes fâché contre moi, non, abonnez-vous. Continuez à recevoir des enseignements pour que vous sachiez que la seule personne qui peut sauver, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Notre Dieu s'est fait un homme. Il est esprit éternel invisible. Alors Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que le Dieu que nous n'avons pas pu voir, que vous ne pouvez pas voir, que nos ancêtres n'ont pas pu voir, que tout le monde n'a pas pu voir là, sauf les prophètes là. Ce Dieu-là, il est invisible, il est esprit éternel. Alors cet esprit-là, il a pris un corps, il est venu sur la terre. Maintenant, l'image de Dieu qui est invisible là, c'est Jésus. La Bible est claire là-dessus, l'évangile est clair là-dessus. C'est Jésus qui est le vrai Dieu. Jésus a fait connaître le nom de son Père à toute l'humanité. Quel est le nom du Père de Jésus qu'il a fait connaître au monde? Jésus dit qu'il a fait connaître le nom de son Père au monde. Alors, quel est le nom de ce Père-là? Vous ne comprenez pas? Restez connectés, suivez toujours mes vidéos et vous allez voir, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses. Demain, je vous parlerai de la sourate où Allah donne lui-même la permission à son prophète de pécher. Allah donne la permission à son prophète de pécher dans le futur. Non, je t'ai déjà pardonné tes péchés futurs. Pêche maintenant. C'est-à-dire, je t'ai pardonné tes péchés futurs, non? Tu peux pêcher. Au calme. Non, ce que tu vas faire, c'est déjà pardonner. Pêche.
voilà quelqu'un qui est venu de la part de Dieu. Non, tu peux pécher, vas-y, pêche. Tes péchés futurs, même que tu n'as pas encore commis là, j'ai déjà pardonné. Coupe les têtes, tue les gens, fais ce que tu veux, je t'ai déjà pardonné. Ça, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est lui que vous appelez quoi? Le prophète miséricorde. Le prophète miséricorde. Je vais vous prouver demain qu'il n'est pas miséricorde. S'il a tué des gens, coupé des coups, péché, il n'est pas le prophète miséricorde. S'il a arraché des femmes à son fils, s'il a pris une petite fille de 6 ans, il a tapé, ce n'est pas le prophète miséricorde. S'il a décapité des gens, il n'est pas le prophète miséricorde. S'il a brûlé des plantations parce que des personnes n'étaient pas croyantes d'Allah, ce n'est pas un prophète miséricorde. Un prophète miséricorde ne peut pas demander de tuer des animaux, de tuer les salamandres, de tuer les lézards. Un prophète de Dieu ne peut pas demander de tuer les créatures de Dieu que Dieu a créées. Un prophète de Dieu ne peut pas demander d'exterminer certaines créatures parce qu'il est miséricorde. Comment tu peux être miséricorde? Tu coupes des arbres, tu tues des bêtes. Des bêtes qui ne t'ont rien fait. Les geckos. Tu tues les geckos. Les geckos t'ont fait quoi? Tu tues les lézards. Qu'est-ce que t'ont fait les lézards? Tu dis que non, celui qui tue beaucoup de lézards, Allah va le faire rentrer au paradis. Mon frère, réveillez-vous de l'islam, sortez de là-bas. C'est moi-même qui vais vous faire sortir de force. La vérité va vous trouver là où vous êtes. Et quand vous serez confus, parce que vous n'aurez pas d'échappatoire, la vérité sera devant vous. Quand vous allez aller vérifier ce que je dis, vous allez voir que c'est vrai. Mon frère, vous allez comprendre. Faites ce que vous voulez, hein. C'est à votre niveau. La vérité vous est parvenue de la part de Dieu. C'est Jésus qui se m'envoie vers vous. Je suis votre juge et je vous dirai toujours la vérité. Alors, allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Et abonnez-vous, likez, partagez aussi si vous voulez. Mais la bombe dans le nid de scorpion, c'est cette sourate 3, verset 55. Allah lui-même dit que tous ceux qui suivent Jésus seront au-dessus. Alors, vous qui êtes-vous pour dire que c'est le contraire? Shalom et à demain. Audio Jump.